Bienvenue sur la chaîne Diane Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur une application qui s'appelle ZeroVPN, qui est une application où vous allez pouvoir donc avoir plein de connexions sans utiliser son forfait internet. Voilà. Donc là, c'est fait, mais ça va analyser quand vous allez ouvrir l'application. Ça va analyser tous les pays et vous allez avoir des serveurs. Donc là, il faudrait bien surprendre le serveur France qui sera tout en bas, qui n'a pas beaucoup de connexion, mais ça marche quand même. Vous prenez ce serveur là, parce que les autres serveurs, ça ne marchera pas. Voilà, donc ça marche. Il faut bien sûr désactiver la Wi-Fi et mettre données mobiles. Et voilà, donc regardez sur Clash Royale, ça marche. Ça marche tout le temps. Donc voilà, regardez, ça marche bien sur Clash Royale. C'est juste que j'ai fait une petite coupure parce que je suis encore un peu malade, donc du coup je suis obligé de faire des coupures parce que ma voix n'est pas terrible. Donc oui, j'ai même pas fait le défi épique, tant pis. Donc voilà, vous voyez bien que ça marche, parce que regardez, je demande des cartes, boum, ça y va tout seul. Regardez, ça marche, hein, ça bug pas, ça lag pas, c'est exceptionnel. Donc voilà, c'était tout pour cette petite application qui s'appelle ZeroVPN. Donc je vais vous donner le... Je vais vous donner le truc de l'application tout de suite pour voir comment c'est fait. Voilà, ZeroVPN. Bon allez, je vous laisse, j'espère que vous aura plu. En tout cas, voilà, comment avoir sans forfait internet, vous pouvez mettre Pokémon Go, vous pouvez mettre tout. Ça pompera pas sur votre forfait internet. Voilà. Sur votre forfait internet Orange, si vous avez 1 giga, ça va pas pomper à giga. Ça va rien faire, normalement. Voilà, donc allez, je vous laisse. Bien sûr, on peut faire du Clash Royale. Donc, on va essayer d'ouvrir les coffres qu'il y avait à ouvrir. Donc, ça s'ouvre. Allez, on va ouvrir les petits coffres en premier. Les petits coffres que je passe vite fait parce qu'il y en a pas, on s'en fout. Coffre en argent. On s'en fout aussi. Et coffre de clan 10 sur 10. Allez, c'est parti. On va essayer de tester, avoir une légendaire. Ce qui serait the best. Allez, pour l'instant c'est bien parti pour... Ah non. Ah non, non. Pas de légendaire dans ce putain de truc. Pas de légendaire. Voilà, donc mon clan c'est Ares. Donc on a toujours fait clan 10 sur 10. Donc 25, faut faire 25 couronnes. Voilà, sinon on est viré. Même si j'en ai pas fait cette année. Je suis arène 9 et j'ai 2800 trophées. Voilà, c'est assez simple comme truc. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et non, juste avant, je vais juste vous dire que on est dans le moment où à Bourges, dans notre campagne, il y a le printemps de Bourges qui est du 18 au 23 avril, qui est un petit festival où il y a beaucoup de musiciens, d'artistes qui arrivent. On a des quand même des personnes assez célèbres, parce qu'on a Renaud, donc vous connaissez pas beaucoup mais vous connaissez. On a Jane, Soprano, Vianney, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a Deluxe, peut-être que pas beaucoup de monde connaît mais c'était assez célèbre. Feder, bien sûr. On a Petit Biscuit, on a SCH, bien sûr, certains connaissent.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre de célèbre? Ta-ta-ta-ta-ta, c'est tout, je crois. Et oui, c'est tout. Voilà, il y a Petit Biscuit, il y a tout ça. Il y a beaucoup d'artistes, 500 artistes, qui viennent au Printemps de Bourges cette année. C'est exceptionnel, voilà. Il y a Môme aussi, j'avais oublié Môme. Voilà, qui c'est le feu avec lui à chaque fois. Môme. Voilà, Môme et tout ça, Feder, voilà, Renaud et tout ça. Donc c'est au Printemps de Bourges, 10-18 au 23 avril. Vous pouvez bien sûr regarder tout ça sur le site du Printemps de Bourges-Bourg, printemps-bourges.com ou fnac.com, voilà, comme vous voulez. Rubrique Printemps de Bourges, artiste ou un truc comme ça, sûrement. Et donc sûrement. Je crois que Vianney, c'est complet déjà. Soprano, je crois aussi. Après, vous regardez si vous voulez Môme ou Feder. C'est pas obligatoire que ce soit complet. Après, vous avez d'autres petits biscuits et tout ça. Je pense que c'est pas encore trop complet. Mais sinon, vous pouvez aller voir. Il y en a plein d'autres. Je vous laisse découvrir ça sur le tas. Allez voir ça sur les sites internet. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire de tout ça. Voilà, je vous laisse. Ciao.